Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est nickel. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car je vais faire 2-3 petites annonces sur la chaîne, c'est simple et efficace. Comme ça j'aurai la mémoire reposée, j'aurai aussi la conscience repose aussi. La première des choses, j'aimerais vous parler d'un truc qui m'affecte côté merch. Pour ceux qui sont avec moi sur Utip, vous savez très bien, nous avons tous reçu ce mail. Utip ferme les portes. Ce qui me fait chier, c'est que moi les dons, c'est pas grave, vous me faites pas de dons, c'est pas grave. Hein. Mais ce qui me dérange le plus, bah c'est les articles Monsieur Coulon, les articles Théo Coulon. Ok, j'ai passé un bon bout de temps à les mettre en place et j'ai passé un énorme plaisir. Voilà, parce que pour moi, représenter ma chaîne, c'est quelque chose qui me plaît. Bah, d'ailleurs, avec mon poster Théo Coulon, Monsieur Coulon, je suis fier. Et voilà, rien que c'est de savoir que Utip va fermer, mes articles vont disparaître. Alors, je vous interromps parce que là, je suis en train de faire le montage actuellement. Je voulais faire un petit tour sur Utip et je pense que le mal est déjà fait. Donc, regardez, il n'y a plus mon shop. Il n'y a plus mon shop. Voilà. Bon, du coup, tout est terminé. Voilà. J'ai plus Utip. Il n'y a plus mes merch. Bon, du coup, on va garder ce magnifique poster mémoire. Ça sera notre... ouais. Eh bien, écoute, je vais essayer de trouver un site. Si quelqu'un connaît des sites gratuits de merch, n'hésitez pas à me spammer. Ça serait sympathique que je puisse relancer ma gamme d'articles Monsieur Coulon. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience et désolé. Voilà. C'est trop tard. Fais chier. Seconde annonce. Alors, j'ai fait un petit nettoyage sur ma chaîne. J'ai viré mes vieilles vidéos. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai commencé YouTube en faisant du piano. En étant très con aussi. Voilà, parce que moi, disons que j'ai quelque chose à respecter, ce qu'on appelle la maturité. On sait très bien qu'au bout du moment, on grandit, on devient plus mature dans la tête. Voilà, et quand on voit nos vieux trucs d'époque... Oh, j'ai décidé de supprimer mes vieilles vidéos que je fais du piano parce que j'ai trouvé ça extrêmement cringe. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai bien sûr une vidéo, une bonne petite vidéo auquel je vais réagir tout ça. Hein. Je pense peut-être même faire, pour ceux qui découvrent ma chaîne, une petite vidéo de présentation auquel je présente mes projets musicaux, mes petits trucs. Du coup, voilà, désormais, la première vidéo de la chaîne, ça sera ma première compo sur FS Studio, donc God of Dragons avec les VST bien pour Rav des FS Studio. C'était la petite annonce, les deux petites annonces, la première, nettoyer la chaîne, et de deux, Utip. Et troisième annonce. Alors, cette troisième annonce, vous savez très bien que nous sommes en avril. Qu'est-ce qu'il y a en avril? Vous savez très bien qu'en avril, il y a pas son avril. Mais il y a aussi mon anniversaire dans cette semaine. Sachez que le dimanche 9 avril, c'est mon anniversaire, donc ça sera un dimanche. C'est là où est le problème, en fait. Est-ce que je fais une veille d'anniversaire le samedi? Ou le lendemain de mon anniversaire, parce que je pense que le 9 avril, je serai avec ma famille. Ou le 10 avril, je fais un event anniversaire. Donc c'est soit le samedi, soit lundi. C'est vous qui voyez. Voilà. Soit on fait un anniversaire le 9 avril, soit on fait un anniversaire le 10 avril. Mais je sais que ça sera pas... Voilà. Je pense que je me dis que un live anniversaire, ça sera un live un peu rien à foutre. Voilà. Je vais pas mettre la musique, je vais mettre un peu la musique de côté. Et je vais être avec vous, on va jouer ensemble, s'amuser, poser des questions. Enfin, voilà. Je pense que ça va être assez spécial. Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense que ce live va peut-être se passer sur vers chat. Peut-être. On va faire plein de petits trucs. Donc oui, vous pourrez voir Tao. Voilà. Vous pouvez voir Tao, mon petit furie, sur VRChat si jamais vous me suivez sur VRChat. Voilà, donc pour ceux qui vont avoir mon pseudo VRChat, ça sera dans la description. Et du coup, voilà. Et en parlant de Tao, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu les posts et tout, j'ai créé un compte TikTok. Je pensais pas m'y mettre, mais au final, je l'ai fait. Et là, ça sera un peu comme la chaîne secondaire, ça sera un peu du shitpost, ça sera de la musique aussi. Mais dans un format beaucoup plus short. Et parce que... Voilà, fallait bien que j'intègre mon petit Fury. Tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé. Alors oui, je sais, ça vous choque peut-être, mais la position caméra a changé. Je pense que ça va être comme ça définitivement. Je pense que je vais faire mes vidéos debout parce que je me sens bien. Je peux bouger et je ne me sens pas serré. Je peux faire de grands gestes. T'es con, Théo! Mais voilà, bon, je sais que ça va affecter aussi la qualité audio parce que je n'utilise pas...
le micro. Mais d'un côté, ça évitera aussi le montage, d'abuser un peu plus de montage en termes de trucs, histoire d'avoir un léger plus fichier. Qu'est-ce que ça raconte? Ça évitera aussi, bah voilà, comme j'ai dit, d'avoir du teaser micro et d'avoir beaucoup plus de temps de montage. Et mais plus ça sera plus ergonomique, ça sera plus, voilà, comme au moins vous voyez mieux mon setup, hein, mon petit setup. Mais au moins, je sais pas, j'ai envie de filmer comme ça, d'être debout. Tu vois, moi, tu vois, je peux bouger, je peux faire le con, si j'ai envie de sauter, je saute. Et je remarque qu'on se rapproche des 2000 abonnés. Franchement, ça fait plaisir. Mon cœur, il bat la chamade quand j'en parle. Nina, voilà, si jamais tu vois ces vidéos, Nina, merci beaucoup d'avoir partagé la Marseillaise. Je sais pas que la Marseillaise a fait un tel carnage. Je pense que je vais en faire une vidéo de pourquoi la Marseillaise a marché. Parce que même moi, je comprends pas. Enfin, je vais même mettre des théories, je sais pas. La Marseillaise, je m'emballe un peu trop. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager à tous vos potes, à vos familles, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. N'oubliez pas la cloche pour rater aucune notification. Dans ce cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain vidéo ou le prochain compo. Ciao!